évolué encore? Alors, je suis Luc Benito et je suis le réalisateur du documentaire Félix et moi, qui est un portrait du chanteur toulonnais Félix Mayol. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Alors, au Liberté, on a été accueillis pour pouvoir tourner les scènes de reconstitution de la vie de Mayol. Dans le documentaire, on reconstitue 5 épisodes qui racontent dans ses mémoires. Et on les raconte, on les tourne sur la scène du Liberté. Voilà. Je crois que Luc est en train de... Voilà, je vous explique la mise en scène. Alors, l'action se passe entre 16 ou 17, j'ai pas la date exacte, au casino de Toulon, qui est le plus grand café-concert de la ville. Il a été réquisitionné pour les territoriaux, donc effectivement, c'est plusieurs types de... C'est tous les vieux, donc on est bien. Voilà, on est raccord. C'est ce que m'a dit Eric. On est raccord. Félix Mayol, c'est une personnalité dont on a oublié la vie et l'histoire, dont on connaît le nom. Et moi, j'ai eu la chance, un petit peu par hasard, de découvrir sa vie, sa carrière, sa personnalité. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour ce chanteur et puis cette personne extrêmement généreuse pour la ville, pour son public. Voilà, puis j'étais quelque part un peu touché du fait qu'il soit oublié par la chanson, à l'exception du stade Mayol et du RCT, qui a été le seul à perpétuer en tout cas son nom et en partie son histoire. Je voulais donner la possibilité à tous les Toulonnais et puis à tout le monde de découvrir ou redécouvrir une personnalité particulièrement attachante avec une vie extrêmement romanesque. Il est prévu qu'on voit le documentaire, évidemment l'avant-première, au Théâtre Liberté, sans doute, j'espère, à la fin de l'année, en décembre 2021. Voilà, même si encore cette année, elle nous réserve des surprises. J'espère qu'on pourra le voir, qu'on pourra le finaliser pour la fin de l'année. Voilà. Blanc.